Et salut à tous, aujourd'hui c'est Mathis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, après avoir nettoyé ma PS4, je vais vous faire voir comment réparer une manette de PS4. Donc ça peut marcher pour les autres manettes, je pense. Donc si vous avez du mal à sprinter, genre par exemple dans Call of, et que ça ne marche pas, ou si vous avez vraiment du mal, cette vidéo est faite pour vous. Si quand vous faites bouton PS longtemps, ça scrolle tout seul dans la liste, là ça scrolle tout seul, cette vidéo est faite pour vous. Et si votre personnage avance tout seul ou qu'il a du mal, ou carrément votre joystick ne marche plus, mais ne marche plus, ça sera la deuxième partie de la vidéo, cette vidéo est faite pour vous. Donc déjà on va essayer juste de la réparer soit la démonter. Et puis après, si vraiment votre truc est pété, il va falloir que vous la démontiez. Et ça sera dans la deuxième partie de la vidéo. Donc c'est parti. Dans un premier temps, il y a peut-être la poussière qui joue un jeu très important. Juste à nettoyer la poussière de ce joystick pourra vous faire que vous courez. Donc vous allez déboîter votre joystick. Donc là il est déboîté, comme vous pouvez le voir, vous regardez comme ça, lui est plus haut que celui-ci. Vous allez vers le... Attends, ouais, c'est bon. Moi je vais faire pour les deux. Vous allez vers le bas. Là vous pouvez voir qu'il y a pas mal de poussière à gauche, à droite. Du coup vous allez vers le bas, vous soufflez. Voilà. Vers la gauche, vers la gauche. Vers la gauche, vous soufflez. Ici vous soufflez là, dans les trous, faut que vous soufflez. Vers le bas et vers la droite. Après faites-le en tournant et tout, bien nettoyé. Genre là par exemple, là je vois qu'il y a un petit poil. Voilà, hop, il est plus. Une fois ceci fait, peut-être que votre manette marchera. Après vous remboîtez votre joystick et c'est là où arrive la deuxième étape la plus importante. C'est que vos joysticks sont déréglés. Alors pour ça c'est simple, vous allez vers le haut et vous appuyez 50 fois ou 30 fois, je sais plus. Mais il y a des gens qui disent 50, d'autres 30. Donc moi je vais pas le faire en live. Donc là vous allez vers le haut et vous appuyez 30 fois. Bon voilà, bref. Après vous faites pareil pour l'autre côté par là-bas. Voilà, après vers le bas. Après vers l'autre côté. Voilà, et après normal comme ça. Donc faites ça plein de fois, plein de fois, plein de fois vers le haut, vers la droite, vers le gauche, vers le bas. Et normalement, après tout ça, vous allez voir, vous allez aller sur votre jeu, vous allez jouer à votre jeu et ça remarchera. Ou sinon, à la place de faire tout ça, vous regardez là le code derrière. Bon, il y en a, ça s'efface, donc notez-le si vous avez une nouvelle manette. Si votre code, vous allez le voir sur internet, si vous avez encore la garantie, et bien vous pourrez aller vous la faire changer gratuitement, ce qui est beaucoup mieux, donc vous aurez une nouvelle manette. Donc si vous avez plus la garantie et tout, et que votre joystick ne marche plus, et bien donc ça sera la deuxième partie de la vidéo, et moi je vous dis à toutes. Les amis, donc si tout ce que vous venez de voir, ça ne marche pas sur la petite manette de PS4, c'est là où on rentre dans le vif du sujet. Donc on va démonter de ce joystick et le changer. Vous n'êtes pas obligé de tout changer de joystick, mais juste une pièce. Donc si votre joystick ne marche plus du tout, ou si tout ce qu'on vient de voir ça marche pas, si vos deux joysticks ne marchent pas ou s'ils sont tout arrachés, cette vidéo est faite pour vous. Donc c'est parti. Donc déjà, vous allez devoir retourner la manette, comme ceci, et enlever les 4 vis. 1, 2, 3, 4. Une fois ceci fait, donc la manette se déboîte pas tout seul. Bah, elle se déboîte un petit peu, mais pas trop. Donc il va falloir, donc moi je l'ai déjà fait, donc là c'est pour ça qu'elle va être hyper simple à ouvrir. Mais donc après vous devez mettre un peu votre tournevis comme ça, hop. Comme ça, donc ça c'est le plus chiant. Mais une fois fait, ça ira bien. Donc vous allez devoir enlever l'arrière. Faites gaffe à pas arracher ce fil. Donc ce fil c'est le truc qui s'allume derrière là. Donc faut vraiment pas l'arracher. Vous l'enlevez, voilà comme ça. Vous le mettez de côté. Donc là puisqu'on va avoir les joysticks à l'envers, donc ils vont être inversés, donc celui-là... C'est celui pour courir et tout. Donc là vous allez devoir enlever la batterie. Donc voilà. Déboîter les petites coches. La batterie mise à l'autre côté. Là il y a une vis en vie, donc là il faut que j'enlève. Donc je le fais en live. Donc j'avais pas le matériel qu'il fallait parce que cette vis là est extrêmement fine. Donc là je suis un peu essoufflé parce qu'il fait hyper chaud. Donc je change l'embout. Et donc c'est parti. On le dévisse. Là
Ma vis à moi, elle est un peu usée parce que j'ai dû la démonter deux ou trois fois. Donc moi, j'en ai d'autres comme ça, donc je vais la changer, je pense. Donc toutes les vis, mettez-les dans une boîte. Bon, sinon vous pouvez les perdre. Donc là, vous déboîtez ça. Donc là, il y aura encore plein de trucs à déboîter. Il va falloir que vous fassiez extrêmement attention parce que genre là, il y a plein de petites cosses et tout. Faites attention à ne rien arracher. Donc celle-là, déjà là, il va falloir la déboîter. Comme ça, hop. Et là, c'est là où on arrive au vif du sujet. Donc après, ça peut aussi un peu forcer, mais forcez pas. Donc en fait, juste pour enlever la plaque que je vous ai dit qui est coincée, vous allez juste appuyer sur le joystick qui coince et voilà, ça vient de tout seul. Donc voilà. Après là, vous allez devoir retourner. Donc moi, attendez, je remets juste pour voir lequel il sert à couvrir. Donc c'est celui-là. Donc c'est celui-là là. Donc là, il faut que je retourne la plaque. Donc là, j'appuie sur celui-là, j'arrive pas, voilà. Donc on a dit que c'était celui-là. Donc les amis, là, c'est votre joystick qui déconne. Donc là, enlevez ça. Qui est le truc pour enfoncer. Et donc là, je rentre vite du sujet tout de suite. Donc là, quand vous avancez, vous voyez que ce petit truc blanc avance. Et là, quand vous allez à gauche ou à droite, vous voyez que ce petit truc blanc avance aussi. Donc en fait, c'est cette pièce qui merde. En gros, ça fait une sorte de rond, un peu métallique, mais hyper fin, qui raye, qui casse et tout, et donc qui bug. Donc la pièce que vous allez changer, c'est ce truc vert qui se déclipse. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite, ce truc vert qui se déclipse. Donc là, je vais le déclipser avec vous. Il faut juste un tournevis, le mettre un peu dessus, l'enfoncer, mais pas trop. Voilà, donc là, je suis allé un peu brusque. Donc ça se déclipse. Donc voilà. Donc si vous voulez, vous pouvez acheter un joystick parce que ça, on ne trouve pas tout seul. Dessouder les trois trucs, au lieu de tout dessouder le joystick, dessouder que les trois trucs, et en remettre un autre, et l'emboîter. Sauf que quand vous allez faire ça, c'est extrêmement chaud et tout, parce que là, vous voyez, derrière ce petit truc blanc, il y a la fameuse patte que je vous ai dit. Sauf que si elle bouge d'un millimètre, votre joystick, ça fera comme s'il serait enclenché comme ça normalement, et du coup, ça se trouve, vous allez courir, alors que vous n'avez rien demandé. Donc c'est pour ça que moi, je vous conseille de changer carrément tout le joystick. Mais après, si vous voulez changer que cette pièce, changez que la pièce. Il va falloir faire extrêmement attention, que vous emboîtez bien et tout. Et je sais même qu'il y a certains professionnels, pour ça, ouais, de Black Ops, ils enlèvent, ils changent un tout petit peu le degré, genre. Et du coup, ça fait que, genre, quand ils veulent tourner et tout, ils vont un peu plus vite. Et donc voilà, ce que moi, je sais pas faire. Donc allez voir une vidéo sur YouTube. Au moins, vous en profitez tant que vous faites ça. Donc ça et ça, c'est exactement la même chose. Hein. Si vous faites ça pour l'un, vous faites la même chose pour l'autre. Par contre, ouais, faudra bien remettre l'autre dans le même sens. Et bon, après, vous pouvez pas trop vous tromper. Donc moi, les amis, je vais carrément tout dessouder. Mais pour dessouder plus facilement, vous déboîtez ça, vous dessoudez, vous y sortez. Et au moins, après, vous aurez moins de trucs à dessouder en même temps. Donc les amis, moi, je dessoude et on se retrouve juste après. Allez, à toutes. Et donc, les amis, on se retrouve. Donc j'ai enfin fini de le dessouder. Donc c'est une vraie galère et tout. Je pensais que ça aurait été plus sympa à dessouder, les gars. C'est vraiment une grosse merde à dessouder et tout. J'en suis sûr qu'il y a plein de gens d'entre vous qui vont galérer. Vu comme ça, vous avez l'impression que j'ai dessoudé le stick droite. Mais en fait, la plaque, elle se met dans le sens. Du coup, j'ai bien dessoudé le stick gauche. Regardez un peu la gueule qu'il a à la fin. C'est what the fuck. Donc là, je vais prendre le nouveau. Déboîter ça. Voilà, je déboîte ça. Voilà, le nouveau. Vous le mettez. Hop, je le mets avec vous. Les trois, là, ils sont là. Les trois, là. Je regarde à peu près comme as. Du coup, ça irait comme ça. Donc, ça rentre bien. Là, vous allez dans l'autre sens. Et là, vous allez pouvoir souder. Voilà. Donc là, je l'ai mis. Donc là, vous allez pouvoir souder tous vos points. Faites très attention que là, les trois, vous voyez, ils sont un peu très serrés. Évitez de souder les uns sur les autres. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, donc faites gaffe, les soudures. Les soudures, c'est très la merde. Ils sont soudés de ce côté. Et de l'autre côté, du coup, c'est très très long à faire. Perso, moi j'ai mis 2 jours, donc c'est pour ça qu'on se trouve. Je vais souder ça et on se retrouve juste après. Je ferai le remontage en direct et on verra si ça marche. Donc les amis, on se retrouve. Donc là, on a fini de souder tout. Donc les gars, pour souder, c'est encore plus la merde que pour dessouder. Et oui, moi j'avais dessoudé les moteurs aussi, au moins, vous pouvez avoir la plaque dans les mains et tout. Donc là, on a ressoudé les moteurs. Une fois que vous avez tout soudé, donc c'est parti pour le remontage. Faites gaffe à ce câble. N'oubliez pas dessous avant de remboîter. Vous remboîtez.
comme ça, hop, c'est emboîté. Vous mettez la petite cosse à l'intérieur, comme ça. Attendez, je faut que je la prenne dans mes deux mains. Faut que je prenne la manette, que j'appuie en même temps. Donc voilà, donc là je viens de la mettre. Une fois que le blanc est là, c'est bon. Vous avez mis la lumière. Donc ça, c'est la lumière du pad. Donc voilà. Après, il va vous falloir le truc qui va tenir la batterie. Donc c'est le truc noir de précision. Ouais, c'est le truc noir. Donc là, ça fait tellement longtemps que je l'avais démonté, là, donc je sais plus. Attendez les gars, je regarde deux secondes. Allez, donc voilà. Donc là, vous voyez la manette. Donc là, le truc noir, là, ça s'enfonce comme ça. Là, vous devez mettre la vis. Donc, faut pas surtout pas reposer la manette, sinon tout ce que vous avez cliqué, ça va se déclisser. Donc, je vais chercher la vis. Ne vissez pas trop à cause de vos nouvelles soudures que vous venez de faire. Parce que ça appuie sur vos nouvelles soudures. Ah oui, moi, je vais en mettre une nouvelle. Bon, bah, c'est pas grave, on s'en fout un peu. Donc, voilà. Donc je visse avec la mèche la plus pourrie qu'il y a au monde. Je visse pas trop fort. En fait, faut bien visser quand même parce que en fait ça c'est ce qui sert à plaquer la manette. Voilà, je visse pas trop fort non plus. Et une fois ceci fait, il va falloir que vous remettiez la batterie. Et après, au lieu de vite faire remettre le capot, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait un truc à emboîter. Donc là, vous remboîtez la batterie, vous regardez dans quel sens. Donc ça, c'est le plat. Donc ça, c'est les deux pointes. Donc ça va comme ceci. Ah bah, je sais pas si vous avez entendu, ça fait un truc, j'ai allumé ma PS4. Donc voilà les gars, donc je vais vite fait l'éteindre. Bon, je l'éteindrai après, c'est pas très grave. Donc on peut déjà voir que ça fonctionne. Mais bon, après, on sait toujours pas si le petit joystick fonctionne. Moi je pense qu'il peut fonctionner, mais puisque nous on n'a pas de la bonne soudure, donc ça va peut-être bugger. Mais bon, si vous avez de la bonne soudure du bon matériel, je pense que vous pouvez le faire, les gars. Donc là voilà, donc pour les gars, cette cosse là elle coûte 12 balles. Je suis allé voir sur internet, elle coûte 12 euros. Donc ça c'est vraiment un truc à ne pas casser, je vous jure. Donc là vous regardez le sens des pics. Ça se pointe où? Ah oui, ça se pointe déjà là-dedans, là, dans les trois petits trucs. Donc les picots ils sont dans ce côté, du coup ça va dans ce sens là. Ah bah comme vous pouvez le voir, la manette s'allume, donc ça marche bien les gars. Et après, ah oui, alors ça là, faut bien y remboîter là-dedans. Donc ça c'est un peu chaud à faire. Voilà. Repulser bien tout. Donc voilà. Donc moi je vais pas visser. Donc je vais filmer mon écran et on va voir tout de suite si ça marche ou si ça ne marche pas. On se retrouve, donc c'est le moment de verdict. Donc moi là j'ai déjà vu, donc ça marche les gars. Les gars c'est top. Bon, c'est juste un tout petit problème de décalage. Genre parce qu'en fait ça va genre un tout petit peu plus vite d'un côté que l'autre. Tout à l'heure j'étais sur Black Ops vite fait. Donc les amis, bien faire voir que ça marche, vous êtes prêts? Donc là je vais faire voir que ça marche bien. Donc je m'assois. 3, 2, 1. Donc là vous avez pu voir que ça marche. Dans ma liste, ça ne scrolle plus. Donc là je peux monter. Descendre. Donc c'est pas mal. Mais après moi j'ai un petit léger décalement. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ça va vers un petit peu vers la gauche. Mais bon. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu, à vous abonner, et moi je vous dis ciao tout le monde, bon game.